Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui. L'Irfouat Chaim Meir Ben Eliezra Pesa, Chaya Rivka Batlea, Sarah Bat Nechama, Hanalea Bat Gitel Devora Betor Shachol Israel. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions un Sechet Psachim Prek Zain Mishnah Bet. En Solinata Pesach, Loala Chapoud, Veloala Askela. Amar Rabbi Tzadok, Maaseb Rabban Gamliel, Shamar le Tavi Avdo Tse, Utslenanu et Apesach, Ala Askela. Naga Becharso, Sheltanur, Iklof et Mekomo. Nataf mirot bo à la cheres vechazar alav, itol et Mekomo. Nataf mirot bo à la solet, ikmots et Mekomo. On continue à découvrir la manière de faire griller le korban Pessah. On avait expliqué dans la mission précédente qu'il fallait le faire griller par le feu directement et veiller justement à ne pas utiliser des brochettes en fer. C'est ce que la Mishnah m'enseigne tout de suite. On ne fera pas griller le korban pesach ni sur par un chapoud une brochette en fer, parce que la chaleur, le fer va communiquer la chaleur à l'intérieur, et il s'avère que maintenant toute la partie qui va être en contact avec la brochette ne va plus griller grâce au feu, mais grâce à la brochette qui n'est plus du feu directement. Et la Torah a insisté que ki im tli esh al tochlo mimenu na bashel mevushal bamayim ki im tli esh, la Torah a insisté qu'il faudra le faire cuire au feu directement. Donc on ne pourra pas le faire cuire ni sur un chapoud, ni même à la Eskela. Eskela, alors, je n'ai pas exactement compris. Est-ce que quelle sorte de grille c'est? Est-ce que c'est une simple grille? C'est le même principe, ça revient même. Finalement, c'est une manière de bloquer le Korban Pessah avec des grilles en le tenant à l'extérieur. On a toujours le même problème. À l'endroit où le Korban Pessah va être en contact avec la grille elle-même, elle va chauffer, et elle va faire cuire le Korban Pessah. C'est plus une cuisson directe du feu, c'est une cuisson du métal bouillant, brûlant. D'accord? Sur ça, la Mishnah continue à me raconter. Amar Rabbi Tzadok, il a dit Rabbi Tzadok, Maaseh Berabban Gamliel, Shamar Netavi Avdo. Il y a une histoire, une rumeur, une légende même, avec Rabban Gamliel, Shamar Netavi Avdo, qui a dit à Tavi Avdo, à son esclave Tavi, l'esclave fidèle de Rabban Gamliel, on rapporte souvent dans la Gemara, Tse utzlelanu et apesach ala eskela. Va donc nous faire griller le pesach sur la eskela, sur cette grille. Donc en fait, on a un problème technique. Il y a une contradiction dans la Mishnah. La Mishnah me dit, tu ne fais surtout pas griller à la grille. Et d'ailleurs, Rabbi Tzadok raconte une histoire, car Rabban Gamliel, il a demandé à son esclave, qui fasse griller un korban pesach sur une grille. Donc il y a un problème, ça se contredit. Sur ça, la Gemara, elle répond, en fait, on parlait d'une grille qui était un peu spéciale, où en fait, il y avait une très grande ouverture au milieu, et qui, en fait, on suspendait on accrochait le korban pesach en le suspendant, mais que c'était pas la grille, la grille n'était pas en contact directement avec le korban. D'accord? Juste, ça servait à le tenir, mais pas à le faire griller directement. Naga, maintenant on continue, selon le même principe, on insiste bien. Il faut faire griller le korban pesach par le feu directement et pas par une chose qui va griller. Maintenant, bien évidemment, ils utilisaient des fourneaux pour pouvoir faire griller le korban pessah. Ils mettaient le feu en dessous, il y avait la chaleur qui était plus ou moins gardée comme ça, et donc il était en général en kheres, en argile. C'était un four spécial où dedans on pouvait mettre le feu en dessous, on suspendait le korban pessah, il y a un dispositif entier, et puis il était lui-même en kheres. Imaginez maintenant que Naga Bechavoso Sheltanur, pendant qu'il est en train de griller, alors qu'on est en train de vouloir d'arracher un petit bout de viande, un truc comme ça, on la pousse un peu, il a touché la paroi du tanour, du four. Alors là, ça nous pose problème, il faudra que Iklof et Mekomo, il faudra couper la petite partie qui entre en contact. Soit, j'ai mon korban pessah et cuit grâce au feu, il y a le feu qui monte, si je vais le faire, je vais le coller sur la paroi du four. Il s'avère que maintenant la paroi du four, elle était bouillante elle aussi. Elle a touché le korban pessah, et le korban pessah dans sa partie externe, il a une partie qui a cuit à cause de la paroi bouillante, brûlante, qui n'est plus du feu directement. Il faudra couper une petite tranche. Il clove, ça veut dire qu'il va éplucher sa place. D'accord? On va avoir trois niveaux d'épluchage. Retenez les mots. Pour le moment, on a parlé de il clove et de comment, c'est qu'il va éplucher. D'accord? Et ensuite, donc il prend la partie externe, il coupe une fine tranche, d'accord?
Maintenant, nouvelle situation. Nataf merot bo ala cheres vechazar alav. Il était à proximité de la paroi, mais pas en contact direct. Et ce qui se passe, c'est qu'il transpire pendant qu'il cuit. Il y a des graisses qui sortent. Il a eu du gras qui est sorti, qui a touché la paroi et qui est rentré à l'intérieur. Ouais. Alors là, Nataf merot bo ala cheres. Il a goûté une goutte de du rotev, de la sauce, de ces graisses qui sont sorties dehors, qui a touché le cheres, la paroi d'argile, le chazar à lave, et qui est re-rentré à l'intérieur du korban Pesach. Alors là, itol et mekomo. Il faudra qu'il prenne sa place, qu'il l'arrache, qu'il coupe, cette fois-ci du kedenetila, c'est l'équivalent de etzba, keovi etzba, une épaisseur de un doigt, cette fois-ci, il faudra qu'il coupe. Le problème, il est simple. On a la viande maintenant. Si, imaginez, le principe, il est très simple. Imaginez, je vais prendre de l'huile bouillante, et je vais verser une goutte sur le korban Pesach qui est en train de griller. Il s'avère que maintenant, mon huile, elle va pénétrer dans l'épaisseur du korban Pesach. Or, elle est bouillante. Lorsqu'elle va rentrer, elle va contribuer à la cuisson du korban. Il va savoir qu'il va y avoir toute la partie du korban où l'huile s'est propagée. Alors, cette partie-là du korban, elle a cuit grâce à l'huile bouillante, en plus du feu. Ça invalide à la consommation cette petite partie du korban Pesach. C'est le même principe. Quand c'est sa propre graisse qui fait sortir à l'extérieur, cette graisse, maintenant, elle va toucher la paroi, elle cuit maintenant, cette graisse-là, elle est devenue impropre à la consommation. Elle a grillé grâce à la paroi, c'est plus le feu directement. Elle est re-rentrée à l'intérieur, elle s'est propagée, il faut que tu la supprimes. Comment tu la supprimes? La Mishnah me dit, la blia, là, ça se fait absorber jusqu'à etzba, l'épaisseur de un doigt. De là, d'ailleurs, dans cette Gemara, on déduit ce qui est étudié, la halakhot de Taharovet et les mélanges interdits les mélanges interdits, le bassar bechalav, les mélanges de lait de viande, on déduit de cette gmara, plein de halachot en l'occurrence, lorsque les choses se touchent pendant qu'elles cuisent au four, ou si elles cuisent dans une casserole. Dans la casserole, c'est plus grave, parce que ça se propage dans toute l'épaisseur, mais quand ça cuit au four, ça pénètre que jusqu'à l'épaisseur de Etzba. Netila, c'est déduit d'ici. C'est le même principe. Troisième situation maintenant. Nataf merot bo à la solette. Si ça a coulé de sa sauce, de ce gras qui est sorti, à la solette. Il y avait en dessous, on avait mis à chauffer de la solette. On avait pris de la solette, de la semoule qu'on avait mis en dessous, on voulait la manger après, pourquoi pas, c'est sympathique, on les fait sortir, on les mange les deux ensemble. Le problème, il est que pendant qu'on est dans le four, la solette, la semoule qui est en dessous, elle est brûlante elle aussi. Elle prend la chaleur. Il s'avère que maintenant, la goutte, s'il va y avoir une goutte de gras qui va tomber dessus, de sauce qui va tomber sur la solette. La solette qui est là maintenant, elle va faire cuire la sauce. La sauce a un statut de viande. Elle a un statut de viande. Elle doit être cuite par le feu et par rien d'autre. Il s'avère que maintenant, cette sauce-là, lorsqu'elle va tomber sur la semoule qui est en dessous, la semoule qui est bouillante, elle va faire cuire cette sauce. Cette sauce, elle est devenue impropre à la conservation. Et dans ce cas-là, ikmot cette mekomo. Il faudra qu'il va ramasser une kmitsa cette fois-ci. C'est une épaisseur un petit peu plus profonde, le comète, c'est pas précisé combien, il doit prendre comme ça, il va retirer la partie externe maintenant de toute cette semoule, parce que maintenant il y a la sauce qui s'est propagée dans cette partie-là, et qu'il ne peut plus manger, donc il doit supprimer cette partie-là en prenant une kmitsa, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.